transfert de compte bancaire d'une banque à une autre, attention à ces frais qu'on vous prélève. Le service de votre banque actuelle ne vous convient plus et vous souhaitez effectuer le transfert de votre compte bancaire vers un autre établissement. Certaines banques concernées peuvent facturer cette opération sans forcément vous tenir au courant. Découvrez dans cet article les différents frais qu'on vous prélève. Focus. Fonctionnement d'un transfert de compte bancaire d'une banque à une autre. Le transfert de compte bancaire d'une banque à une autre est souvent une démarche utilisée pour des raisons géographiques ou économiques. Pour ce faire, vous avez deux options, soit vous effectuez toutes les procédures à savoir l'ouverture du compte, le transfert ainsi que la fermeture de l'ancien. Autrement, vous pouvez faire appel à un service de mobilité bancaire de la nouvelle banque choisie. Le principe est le suivant, vous aurez tout simplement à communiquer le relevé bancaire au RIB de votre ancien compte bancaire. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à signer un mandat de mobilité bancaire. Ce service est toutefois réservé uniquement à ceux qui disposent de comptes de paiement ou de dépôt. Quelles sont les différentes étapes requises ? Comme indiqué précédemment, la première étape consiste à ouvrir un compte dans un nouvel établissement. Vous devez néanmoins vous préparer à faire un dépôt initial, un service souvent exigé dans certaines banques. Vous recevrez un nouveau RIB. Si vous avez choisi de vous rapprocher d'un conseiller de mobilité bancaire, vous vous détachez de toutes ces tâches. Ensuite, vous avez désormais la possibilité de transférer les opérations depuis votre ancien compte vers le nouveau. Pour ce faire, vous serez amené dans un premier temps à vérifier toutes les opérations faites les 13 derniers mois. Puis, informez les organismes ainsi que les interlocuteurs concernés par les virements récurrents ou encore les prélèvements automatiques. Cela inclut les fournisseurs, les assurances, l'employeur, les mutuelles, le bailleur, etc. Pour la dernière étape, vous aurez à fermer votre ancien compte bancaire en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception à l'ancienne banque. Vous devrez par la suite rendre les chèques, les cartes bancaires, les chéquiers, etc. Transfert de compte bancaire, quel coût prévoir ? Il est important de souligner que cette opération est gratuite pour les comptes de paiement et les comptes courants. En revanche, pour les produits d'épargne comme le LEP, les comptes titres, le PEA, le CEL et le PEL, les tarifs appliqués varient d'une banque à une autre ainsi que des conditions en vigueur. Pensez à bien vous renseigner avant d'effectuer une telle opération. À noter que le contrat d'assurance vie ainsi que le livret A, LDDS et livret jeune ne sont pas transférables. Concernant le délai de transfert, il peut aller jusqu'à 22 jours. Cela s'applique uniquement si vous faites jouer la loi de mobilité bancaire.